Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte de Fallout Epic Games saison 3 chapitre 2. Bon, c'est parti, on va lancer le jeu. J'ai peur pour mes oreilles, évidemment, il va y avoir certainement une intro, etc. On va passer vite. Salut à tous, bienvenue et soyez heureux. Ok. Allez, chef. Vachement beau, hein. C'est vachement beau. Ok, bon, j'ai pas compris grand chose. Voilà, j'ai pas compris grand chose. Ok. Bienvenue sur les flots et dans votre flottille. Ici, vous pouvez déverrouiller des défis et acheter le pass de combat pour recruter cette équipe de naufragés insubmersibles. Ce petit moussaillon s'appelle Kit. Oh, il grandit si vite. J'ai invité Aquaman, il a dit oui. Alors je lui ai demandé de mettre un t-shirt, il a dit non. Et puis il y a Julie, une inventrice de génie aux créations prodigieuses. Explorez la flottille pour rencontrer toute l'équipe. Découvrez aussi le parapluie perso, inclus dans le pass de combat, et à redécorer vous-même. À la fin de la saison, il sera totalement unique. Tout au long de votre aventure, de nouveaux endroits, de nouveaux moyens de se déplacer. Oh yes! Pas de surprises vous attendent. Oh putain, des bagnoles! Alors, oh mais ça c'est trop bien ça. Le pass de combat pour recruter votre équipe de naufragés. Personnalisez votre nouvelle arme. Récupérez parapluie stylé. Et plus encore. La chug chug chug. Jetez-vous à l'eau. Oh mon dieu. Ah ça, il y a des trucs qui ont l'air vachement bien, vachement bien. Il y a des trucs qui ont l'air vraiment cool. Ok, bah je le passe de combat évidemment. Avec le code créateur Togmar-YT. Alors, on va voir le pass vite fait. Voir ce qui se trame. Est-ce qu'il y a des bons trucs? Est-ce qu'il n'y a pas des bons trucs? Comment ça? On va le faire vite fait. Hein, le pass, moi c'est la carte, le gameplay qui m'intéresse le plus. Alors, elle est pas mal. Ok, ouais. Oh, et elle est évolutive. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Julie, qui est badass. Badass Julie, j'aime bien. Iran, ok. Je sais que j'y jouerai jamais avec. Je le sais très bien. Ouais, il y a mode dark, ok. Ouais, pas mal. Ok. Mais ça va, ça passe. Ça passe, ça passe. Masqué. Bon, lui, il prend de la place, lui. Hein. Oh, il y a deux level 100. Ok. Bon, bah écoutez, chacun fera son avis du pass de combat. Ok, bon écoutez, moi j'aime bien l'esprit un peu post-apo là qu'il y a à Waterworld. Si vous connaissez pas, regardez-le. Ok, je vous conseille. Et du coup, on va y aller. Hein. On va y aller en solo. Et puis voilà. Alors moi, ce que j'attends vraiment pour cette saison, Epic Games, je vous en supplie, c'est le mode sensu dans les parties matchmaking normal. Et si j'ose rêver, des lobbies à 150. Si j'ose rêver, des lobbies à 150 ou 200. Même si j'y crois pas du tout. Hein, mais ça serait tellement bien parce qu'il y a tellement de personnes dans les games. Donc vraiment, ça, c'est un truc qui me ferait kiffer de ouf. Des lobbies un peu plus étoffés, quoi. Mais j'y crois pas parce que les serveurs ne sont pas stables. Donc, mais ça serait bien. Des nouveaux moyens de déplacement, des nouvelles armes fun. Utile comme les répulsives aussi, des trucs comme ça, ce serait bien. Donc on va voir, première game, saison 3, on va voir, on va voir. Voilà, carte. Oh. Je sais pas où aller. Hein. Oh, j'ai l'air d'avoir du ping. Ok, ok. Bon, bah c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Quoi?
Bon, c'est une bonne game, non? Ok, un nouveau sniper. Enfin, le nouveau sniper qui est ancien, du coup. Bon, on va relancer. Hein. C'était une bonne première game, je suis content. Du coup, j'aime vraiment beaucoup l'ambiance, l'univers. Après, à voir ce que ça donne quand on joue, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut vraiment bien construire dans l'eau? Est-ce que ça a été bien pensé? Est-ce que toutes ces nouveautés qu'on a vues, les voitures et tout ça, avec l'attente qu'il y a eu... Avec l'attente qu'il y a eu, ça serait bien que toutes ces nouveautés arrivent maintenant. Maintenant. What? Mais qu'est-ce que c'est cette merde? Je vais faire comme Yaos Clé, moi. Je veux surfer sur le requin. Non, mais par contre, les musiques Epic Games, quoi. Y'a quoi, là? Oh là là, mon dieu, les armes, quoi. C'est terrible. Les musiques. Il y a une pompe là? Non. Viens là. On peut pas monter dessus? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec. Mais qu'est-ce qu'il veut, ce roquet de merde? Vas-y. Pêcher un requin, c'est pas non plus inné. Bon, en tout cas, ouais, il y a le tsunami qui a vraiment tout cassé. Mais même la cinématique, vous voyez, la cinématique, elle montre pas ça, quoi. Genre, je comprends pas. En vrai, là, on a cette map. Et c'est pas expliqué, quoi. Genre, on voit pas ce qui s'est passé. Je sais pas, dans les anciennes saisons, il y avait la comète qui s'écrasait. On voyait la comète s'écraser, quoi. Mais, ouais, du coup, je sais pas, la cinématique d'intro, là, je la trouve un peu foireuse, on comprend pas. Genre, c'est une promo du pass de combat, mais c'est pas une... Ça explique pas l'histoire du jeu, quoi. Comprends pas trop, hein. Je comprends pas trop ce qu'ils foutent. Non. Comprends pas, du coup. Ensuite, est-ce qu'on va pouvoir trouver un peu des nouvelles mécaniques avant de se faire buter cette fois-ci? Est-ce que c'est la bonne game? Ça serait pas mal. Putain, mon stuff, quoi, c'est terrible. Alors, qu'est-ce qui se passe si je vais là? Ok. D'accord, il y a des nouveaux moyens de rota. C'est bien, ça. Ça, c'est bien. Epic Games. Là, on est d'accord, je vais aller sur ce petit bâtiment. La zone, j'ai pas trop capté, ouais. Ok. Prendre ça. Et sinon, il y a des pompes ou ça existe plus? Oh. C'est quoi ce bordel? Je crois que c'est pareil, mais... Relooker, quoi. Combien il fait de dégâts? 216? Quoi? Ah non, c'est ça. 72, ouais, je pense que c'est la même chose que le chasseur. Mais en mode. Designé post-apo, quoi. Pourquoi pas, c'est pas mal, hein, en vrai. Why not? Y'a un gars là. Ah non, c'est le requin. Vas-y, je veux le pêcher. Allez, où ma canne à pêche? Vas-y, casse-toi la carabine, c'est bon, je te connais, toi. Bon, du coup, ils ont remis la carabine dans le jeu, hein. Ok. Vas-y, le requin, viens là. Viens, frérot. Viens. Vas-y, vas-y, vas-y. Yes. Et du coup, c'est... Oh, je le contrôle. Oh, et ça, c'est... Bon, c'est stylé, ça. Ça, j'aime bien. Bonne idée. J'ai l'impression de me croire dans Man-Eater. Y'a quoi là? C'est quoi ce bordel? Attends, y'a du monde, stop. What? Mais quoi, ils ont des roquettes? Ouais non, le Bloom est toujours... Et le requin comme toi, hein. Ouais, il y a toujours du Bloom, hein.
Ok, vous voulez quoi vous en fait? Mais barre-toi le requin! Mais quoi? Mais le stuff qu'il te donne! Vas-y, c'est bon, le requin, je l'ai utilisé, on sait ce que c'est. D'accord, donc il y a des PNJ un peu comme ça là qui bougent. Très bien. La carabine violette. C'est combien ça? Il y a que 3 balles dans le pompe! What? Ok. What? C'est quoi ça? Tu veux faire un combat de carabine, wesh? Ça a pas tiré? Mais quoi? Mais... Bon, la mécanique du pompe, je comprends pas. Je comprends pas. On va relancer une petite game, du coup. Pour essayer de voir d'autres nouveautés incroyables qui nous ont pendu. Voilà. Je sais pas, vraiment la... La technique pour le nouveau pompe, je suis vraiment pas fan du tout, quoi. Alors là, visiblement, c'est une zone où il y a full loot. Ok. Là, il y avait un gars. Je vais essayer de me battre, du coup. D'accord. Oh non, il y a de nouveau des armes mythiques. D'accord. En plus, avec une souris à moitié pétée, c'est pas ouf. D'accord, je l'ai buté, lui. Très bien, on est content du coup. Et c'est quoi cette arme mythique là? 102 de dégâts, d'accord. Il y avait un mec là-bas. Hein. On va prendre ça tant qu'à faire. Visiblement, c'est une arme mythique, je vais la tester aussi. Le lance-patate. Lance-grenade. Ça, c'était trop fort ça. Je sais pas pourquoi l'a enlevé d'ailleurs. Il y a des carottes, des piments. C'est quoi ce bordel? D'accord. Je découvre des nouveaux trucs, hein, visiblement. Ah ouais, mais ça, ça existait déjà. Ça, c'est bien, ça. Vas-y, go. La rota mexicaine, comme j'appelle ça. Alors, lui, il se fait... Il campe. Pourquoi il campe? Je comprends pas. What? C'est un repoussoir? Mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi cette merde? Mais c'est quoi ce truc là? Mais merde. J'ai mis 37. J'ai mis 37. Quoi? Ok, bon, dernière game de la vidéo, les amis. Je vais aller là parce qu'il y a plein de monde là-bas. Vas-y, il y a du monde partout en fait. Ah, des éoliennes! Comme avant! Il y a trop de monde ici, c'est Pleasant Park ça. Ok, oh, j'ai une hog. Vas-y, montrez-vous, je vous fume. Je vais pas rester là 15 ans, hein. Est-ce qu'on peut survivre à la chute là? Je crois. Alors je voulais faire une game tranquille histoire d'avoir un petit. Comment dire? Il y a un gars là-dedans là? Ouais, carrément un gars. Hein. De pouvoir faire un bilan en fait. Vas-y, le requin, rend pas fou. Pour faire un petit bilan de tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Vous donner un peu moins de point de vue si ça vous intéresse. Alors moi, dans l'ensemble, j'aime bien la map. J'aime bien la map comme elle a été faite, designée. Le design, j'aime bien. J'espère qu'il y aura une décrue. C'est tout. Parce que là, pour de vrai, qu'il y a trop d'eau, quoi. Il y a vraiment trop d'eau.
C'est chiant, en fait. Parce que j'ai fait plusieurs games comme ça que j'ai pas filmé. Et vraiment, quand tu trouves pas trop de moyens de rota et tout ça, c'est un peu relou d'être coincé dans l'eau. Voilà. Donc alors ça, c'est sur cet aspect-là, je trouve que c'est très beau. Mais par contre, je suis pas fan du système. Je suis pas fan, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Les petites nouveautés, là, comme le requin, les bottes qui ont changé d'endroit. C'est pas mal. De nouvelles armes légendaires. Ça, par exemple, franchement, on voulait pas trop. Là que je l'ai en main, le nouveau pompe chasseur, là. Là, pour de vrai, c'est de la merde. Voilà, là, je le dis, c'est de la merde. Epic Games, qu'est-ce que vous avez foutu, en fait? C'est quoi ce pompe éclaté, là? J'aime pas. J'aime pas du tout, en fait. Genre, je sais pas, il y a un truc qui change. Il était très bien, le pompe, avant. Pourquoi vous le touchez? J'ai même pas le pente tellement c'est nul. Oh, y'a un gars là. Voilà, avec ton pompe de merde. Qu'est-ce que tu veux gagner un combat, en fait? Qu'est-ce que tu veux gagner un combat avec ce pompe, genre? Bon, l'agence a beaucoup changé aussi. Genre, c'est double, c'est devenu une espèce de base militaire, what the fuck? D'accord. Bon, là l'avantage aussi, hein, c'est que vu qu'on est que 17, ben, on peut quand même pas mal parler. Hein. Non mais, t'es sérieux, toi? Mais Man Eater, sort de ce corps! Mais quoi? Mais il me défonce, ce con là! Ok, je vais prendre ça. D'accord. Ouais, ça, c'est un petit truc qui est pas mal en vrai. Ça, j'aime bien. Cet ajout, j'aime bien le requin. Ouais, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Voilà. Après, il faut une canne à pêche, quoi. Il y a un mec qui arrive en tiro là. Calme-toi. Donc, bilan de ce que j'ai pu voir au travers des différentes games, moi je trouve, perso, hein, c'est mon avis après, hein, que c'est pas dingue. Que c'est pas dingue, que la saison elle a un milliard de mois de retard pour des trucs qui sont pas fous, quoi. Le teaser, je trouve que il est raté, simplement, parce que il nous montre le pass de combat et ce qu'il faut acheter, mercantilisme quand tu nous tiens, encore une fois. Mais il nous montre pas l'histoire de le tsunami, machin et tout ça, on voit pas la map se faire fracasser et tout, on l'imagine. Ok, on imagine. Mais je trouve pas que ce soit dingue, le teaser moyen. Le nouveau pompe, de la grosse merde. Je pèse mes mots. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Voilà. La map, en général, elle est bien designée, donc ça j'aime bien. Mais y'a trop d'eau, y'a trop d'eau. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas ça. Donc voilà, les petits ajouts là, requins et tout. D'accord, pas mal, les bottes, pas mal, il y a toujours des armes légendaires. Ça, on en voulait plus, ça, on en voulait plus, non. Non, pas des armes légendaires, non, Epic Games. Il y a plein de nouvelles armes qui reviennent, donc ça, c'est pas mal. Vraiment, ça, j'aime bien. Pas mal, pas mal, ok. Ouais, il y a les vortex. Donc, les vortex, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien, ça fait une petite rota en plus, pourquoi pas. Et les gros points noirs gigantesquissimes, c'est tout simplement le mode sensu. Epic Games, ce putain de mode sensu que tout le monde réclame, il est où? En fait, on sait pas. Bon, du coup, pas de mode sensu.
Ça, c'est pas dingue. Et du coup, bilan général de tout ça, de cette saison 3, chapitre 2, For About Epic Games, là, pour l'instant, je suis pas fan. Alors, je suis pas un mec qui critique. Moi, par exemple, la saison 2, la saison 1, j'ai relativement bien aimé toutes les saisons. Même avec le mecha et tout, moi, je suis pas... Ça va, je m'amusais bien sur le jeu. Je m'amusais bien, mais là, pour l'instant, à ce que j'en ai vu, c'est à chaud. J'ai pas du tout découvert. Donc soyez gentils dans les commentaires, dites ce que vous pensez vous aussi. Dites là où j'ai tort, si j'ai pas vu des trucs qui sont cool à vos yeux et tout ça, dites-le, ça pourrait être bien. Mais là pour l'instant, je suis pas fan du tout de ce qu'ils ont fait quoi. Donc voilà, c'est tout, c'est tout, ouais. C'est tout. Ouais, c'est tout, ça s'arrête là. C'est la fin de la vidéo du coup. Donc j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. J'espère que vous mettrez les commentaires, qu'on discutera ensemble. Pourquoi je m'énerve, je sais pas. Et parce que ça m'a un peu tendu là. Jouer à Fortnite, ça m'a un peu tendu. Surtout avec ces nouveaux pompes là. Et puis voilà, c'est tout. Donc je vous fais des bisous. Code créateur Togmar-YT si ça vous dit. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss tout le monde.